Les nouvelles installations sont-elles conformes à la loi? Nous aurons demain, dans les futures concessions attribuées à la ville d'Antibes, moins de 50% d'occupation par des établissements de plage. Quel est l'objectif du décret plage? Les établissements de plage qui initialement pouvaient être autorisés se sont développés au point que le simple particulier qui veut venir avec sa famille, ses enfants, sa serviette pour pouvoir poser sur le sable, donc se poser sur le sable, n'avait plus accès parce qu'il y avait des transats et qu'in fine, ils étaient obligés de se déployer sur des espaces non appropriés à la balnéo. Reste-t-il des points de désaccord? Au bout de quand même 3-4 ans de discussion, on s'est aperçu qu'on pouvait concilier à la fois l'économie et l'usage public des plages. Donc maintenant, je pense qu'on est arrivé à une situation apaisée et qu'en la plupart des communes des Alpes-Maritimes, nous allons rentrer dans une application réglementaire du décret plage.